On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie, donc la septième partie de Interdiction de danser. Donc voilà, dans cet événement, cette petite quête, on a eu pas mal de trucs différents à faire, que ce soit détruire des trucs de danse, collecter des trucs, détruire plein de machins, danser, voilà, c'est pas vraiment très intéressant ce qui s'est passé, on va pas se le mentir, hein. Après voilà, la récompense était quand même pas mal au final, sauf que moi je l'ai mis dans la collection parce que je ne joue pas Arc. Mais pour ceux qui aiment jouer Arc, ça peut être très intéressant. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir tous les let's play que j'ai fait là-dessus. Je fais tout le temps des let's play dès qu'il y a un mini événement. Donc voilà, cette fois on va partir donc sur la dernière vidéo de cet événement. C'est donc tout simplement, il faudra éliminer des lobeurs d'amour. Donc je me demande si c'est ceux qui sont qu'il faut soigner ou si c'est ceux qui balancent des trucs qu'il faut tuer. Donc on verra tout ça ensemble dans cette vidéo là. Donc Je voilà, comme serais d'habitude, présenté n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans transport. la boutique Fortnite s'il vous plaît les gars. On est bientôt un bon chiffre on va dire. Donc j'aimerais bien que ça continue à monter. Que ce soit sur Sauver le Monde, sur le BR ou sur Battle Breaker, n'hésitez pas à mettre mon code créateur s'il vous plaît. Et voilà, comme d'habitude, je dirais dans la vidéo un mot-clé par rapport à une récompense que vous pourrez gagner, qu'il faudra tout simplement mettre en bas dans la barre de recherche, dans la barre des commentaires, pardon, avec votre pseudo Epic juste derrière. Donc voilà, ça peut être tout et n'importe quoi comme récompense. Donc voilà, on va partir sur une mission à Villeplanche pour la simple et bonne raison qu'il me reste une mission à faire en tant que soldat et à Villeplanche pour choper 110 V-Bucks. Comme ça au moins ça, ce sera derrière moi et j'aurai plus besoin de me faire chier à venir ici. Et en même temps, on va voir un peu s'il n'y a pas une mission juste 10 minutes parce que ça suffira largement. Ou il y a peut-être quelques petits tickets, ce serait pas mal aussi. Et je dois dire que pour l'instant, c'est un peu triste tout ça. C'est vraiment trop triste parce que là il y en a pas. Là il y en a pas non plus. Là et là non plus. Super. Et là encore moins. Bon, du coup, on va partir donc sur celle-là. 5 foudres en bouteille, ce sera toujours ça de prix. Donc, si je pars sur une mission 10 minutes, c'est déjà pour que la vidéo dure moins longtemps vu que c'est pas vraiment très intéressant. En espérant que je vais tomber sur des lobeuses ici. En sachant qu'il y a quand même 300 kills à faire au minimum. Donc, autant essayer de faire ça ici au propre dans une mission assez simple. Et du coup, comme j'ai déjà dit, hein, plus vous mettrez de likes sur ces vidéos-là, si on va dire il y a 7 vidéos en tout, 7, allez, je compte en gros là, hein, vraiment, s'il y a 100 likes en tout sur toutes les vidéos-là. On reprend correctement les rois mythiques, vraiment. Après, j'aurais kiffé avoir une cinquantaine de likes sur au moins une des 7 vidéos. Mais ça, à mon avis, c'était un peu trop demandé. Je pense que j'aurais dû dire 20 ou 25, un truc du style. Après, je sais qu'on peut aller jusqu'à 50 parce qu'on l'a déjà fait sur des lives. Donc, voilà. Mais bon. On peut pas forcément avoir tout ce qu'on veut. Donc là, on va tout simplement kiffer, faire cette petite mission-là, choper 110 tickets, terminer cet événement-là en beauté. Sur une mission qui va pas durer plus que 10 minutes, donc c'est plutôt pas mal aussi. En tout cas, ça doit être agréable pour un peu tout le Il y monde. a une heure d'en approche, c'est l'occasion parfaite. Préparez-vous au combat. En espérant bien Nous sûr avons 10 tomber sur minutes pour des éliminer lobbies, parce que autant de sinon ça va être gardiens un que peu possible. compliqué. Si vous en éliminez suffisamment, on gagne. Sinon, ben on perd. N'oubliez pas de récupérer les échantillons de carcasses et de monstres de la brume. Frappez fort et vite. Je peux avoir des Ayez mobs ou peur comment dans ça les se passe cœurs de là? la horde. N'oubliez pas, la tempête approche, alors surveillez la carte. Et c'est très mal parti là. Des objectifs bonus sont apparus. Alors, sniper, collecter de la bleu-lite, c'est bien le dernier ennemi souci ça. Ok, les mobs arrivent gentiment. Abattez les lobeurs d'amour. Toi, je t'ai vu là derrière, me cracher Voir dessus. que même après la fin du monde, Ok, l'amour donc c'est des continue et leveuses nous de rendons base, tous donc gaillards. c'est quand même assez facile Ouais. en vrai. Enfin, presque tous. Toi, tu n'as pas l'air d'avoir succombé à l'amour éperdu des lobeurs. Mais je suis déjà à Pêche. 8, c'est une Il faut bien blague. que quelqu'un gère des opérations de base. Quand même, ce n'est pas. C'est vrai que l'amour peut être un cauchemar, mais
On ne le trouve pas si on n'essaie pas. Bah, collez-vous, comme ça je fais une requête pour les trois. Non, j'ai désactivé tes Pourquoi? Pour te donner un aperçu du plaisir que c'est de tomber amoureux. Plaisir? Mais toute ma vie est bizarre. Ça veut dire que ça marche. Ah, des lobeuses, en tout cas, c'est la sortie des lobeuses. Non. Denis? Ils auraient pu mettre plus que 8 en fait. Tu te sens toute moite et bizarre. Mais ce n'est pas de l'amour tant que tu n'éprouves pas des difficultés à t'exprimer normalement. J'ai donc apporté des éléments. Venez me faire chier là, s'il vous plaît. Mes pensées brouillées. Mes sentiments virevoltants. Mes câblages. Tout bizarre. C'est l'amour. Les aimants. Les aimants. Ces aimants. D'accord, mais accroche-toi à tes sentiments. Ouais. Bon, tes ventilateurs sont coupés et tu tiens des propos incohérents. Nous y sommes presque. Eh non, c'est une blague. C'est de bondir vers l'inconnu avec quelqu'un. Non. Tu veux bien me suivre jusqu'au trébuchet? C'est une très mauvaise idée. Oui. Mais si tu veux goûter à l'amour, c'est clairement la partie la plus... On voit rien avec leur flaque de merde, là aussi. Stupide. Absolument. Bon, du coup... Il m'en reste 7 à faire. Et puis les mobs, par contre, c'est pas trop la joie. Il vient de se passer quoi, là, le gros chelou, là. Écoute, je fais juste des missions par rapport à... un let's play, donc... je vais pas forcément faire de missions après, en fait. Après, si tu veux faire des missions avec nous, n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube. Puis dès qu'on est en live, bah, de venir avec nous. Oh, mais l'immeuble là. Alors, 4 échantillons. Non, mais je pense que c'est assez clair, non? YouTube Red Alpha 16h06, c'est marqué dans le titre pourtant. Et après sur YouTube tu peux trouver tous nos liens sur pour Discord, Facebook, Instagram et tout ça. En sachant que sur Discord on a tous les schémas des armes quasiment et on fait ça au prix du craft. Et ma chaîne elle est basée en fait sur le roi mythique, je sais pas si t'as le niveau. T'inquiète, hein, pas de soucis. Ça va, la roquette qui a bugué, non? Alors, pour des échantillons... J'aime pas quand le sous-sol est inversé, ici, elle est où la descente, là? Alors... Bon, je peux avoir des putains de fragments là ou comment ça s'appelle? Des échantillons ou comment ça se passe là? Bah elle va arrêter de crier à vie, je crois. Voilà le dernier échantillon. Bah écoute, si tu
fait le roi mythique, si tu l'as déjà fait, ou si tu l'as, si t'as besoin de le faire, mais on fait demain après-midi. Et on est actuellement à plus de 700 victoires sur le roi mythique. Bonne nuit Lorenzo, puis merci d'être passé. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire des kills par ça, le reste je m'en fous un peu. Oh, je vais changer un peu d'arme parce que c'est chiant. Quoi ? Voilà pourquoi j'aime pas jouer à arc, je tire comme une bite avec. Bro, tu meurs quand tu veux, non ? Je crois qu'il est pas content lui. Bon, on arrive gentiment à la fin. Ah ouais, j'avais des kills au snipe à faire en plus. Okay. Tranquillement attendre la fin, je vais répondre à quelqu'un sur Discord. Putain, mais ils sont encore debout les mecs en fait. Oh, c'est détendu, non ? Alors, tac tac tac. Bon, vu que c'est le dernier épisode, hein, euh... 400 pièges. Peu importe quel piège, ce sera deux stacks de n'importe quel piège. Voilà ce que vous pourrez gagner dans cette vidéo-là. Donc, vous mettez piège. Ouais, vous mettez 400 pièges avec votre épi juste derrière. Puis voilà. À vous de me dire après ce que vous voulez comme. Comme piège. Donc voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, un peu déçu de cet événement là parce que oui, c'est terminé très rapidement. Oui, il y avait de base pas grand chose à faire aussi, de toute façon, on va pas se mentir. Après, c'est un peu comme d'hab, on va dire. Le spectre, tu peux descendre, non ? J'ai de la chance que j'ai pas le temps de t'avoir. Bon bah du coup on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment recevoir au moins des tickets. Parce que sinon c'est assez pitoyable, les récompenses, on va pas se le mentir. Des récompenses comme... Comment ça s'appelle ? De l'or, je pense que... C'est vraiment pas utile du tout ça.
Ok, hop, c'est parti. On retourne dans le salon. En plus, on va avoir plein de débugs qui vont tomber en même temps. C'est une bonne journée, mine de rien, pour moi, parce que du coup, ça en fait 185 dans toute la journée. Parce que oui, du coup, j'ai tourné toutes ces vidéos-là le samedi 22 février. Donc, forcément, c'était plutôt rentable, en sachant qu'il y avait 75 V-Bucks sur la map, il me semble. Plus mes deux quêtes quotidiennes qui étaient de 60 et de 50. Donc c'est plutôt pas mal honnêtement. J'ai pas à me plaindre là-dessus. J'ai acheté le Season Pass aussi avant vite fait. Donc c'était aussi donc maintenant quand je tourne la vidéo, pas maintenant quand vous voyez la vidéo. Donc voilà. En tout cas n'hésitez pas à liker les gars s'il vous plaît. À vous abonner, à activer la cloche, à parler à vos potes de la chaîne. Surtout pour le Roi Mythique, comme je l'ai dit, j'aimerais une centaine de likes sur toutes les vidéos qui vont suivre là, s'il vous plaît les gars. Du coup, j'ai mes V-Bucks. Alors, j'ai même 250 tickets, mais c'est pitoyable. C'est vraiment ça, l'amour? Ben, les émotions, c'est pour les premiers. Pitoyable. Bon, au moins j'aurai ça. C'est pour quand tu dis à quelqu'un ce que tu ressens pour lui ou elle. Et l'atterrissage d'urgence sur les toits d'une branche, c'est pour... Bref, tu comprends. Un petit léger au moins, vu que c'est pitoyable, non? En gros, c'est vraiment ça. C'est plutôt bien. Enfin, pas un héros, pas un héros, pas un héros. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yes. On va reprendre une épée quoi. On retourne trébucher ? Alors là, pas du tout. Je crois que je me suis cassé la jambe. Mais je peux te propulser. Allons-y. Ok, donc on arrive à la fin de ce chapitre, à la fin de cette quête. Aïe. Elle va bien. Je suis pas vraiment sûr qu'elle aille bien, mais bon. Ok, du coup. Les jeux martiaux. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est vraiment juste les jeux martiaux. Et encore, les jeux martiaux, ils considèrent ça comment? Histoire de voir vite fait. Ok, donc c'est vraiment ça en fait. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Allez, à plus.